en présidant la cérémonie de remise des médailles au meilleur sportif du taekwondo, le gouverneur de la région du centre a reconnu la bravoure de ses athlètes qui d'ailleurs s'en félicitent. Personnellement, c'est une grande satisfaction parce que c'est une reconnaissance du travail que nous avons fait. Depuis des années, on a représenté valablement le pays lors des compétitions internationales. Alors, lorsque l'État reconnaît quand même cet effort, c'est très satisfaisant personnellement. Un mérite pour cette discipline sportive qui, malgré le décès de son président, essaye bon en malin de se frayer un chemin glorieux dans le mouvement sportif camerounais. Un moment de joie que le président de la République vient de donner au taekwondo en ce moment douloureux, en reconnaissant le mérite de beaucoup de taekwondoïstes, que ce soit du taekwondo police que du taekwondo civil. Comme vous avez participé à la cérémonie, donc je profite de votre caméra pour adresser au nom du taekwondo camerounais tout entier nos remerciements au chef de l'État, au premier sportif camerounais, pour cette reconnaissance de l'action que la famille taekwondo mène pour faire avancer le mouvement sportif camerounais. Les plus grandes qualités du sportif camerounais, au-delà de la maîtrise technique et tactique indispensable à la réussite, réside dans le surpassement de soi, la force morale et le fair play qui mène à la victoire de l'unité africaine. Sagesse inaltérée que ces paroles du chef de l'État camerounais, dont il faut voir la proximité avec les athlètes de toutes disciplines sportives.